Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Dernier jour pour Angel. Après, vacances pour tout le monde. Greg ne devra plus se réveiller. Alors, il ne devra plus se réveiller, mais je sais très bien qu'il sera réveillé quand même de bonne heure. Parce qu'il ne sait pas rester au lit. Ou il va y arriver, mais en fin de vacances, quand ce sera les jours de reprise. Alors là on est sur le départ. On va aller comme d'habitude, le matin on fait les derniers petits achats pour Noël. Donc on va aller faire ça. Et puis ensuite Greg va continuer un petit peu à bricoler sur le haut. En fait aujourd'hui il voudrait continuer à faire le coffrage. Et puis peut-être mettre les étagères. Enfin on verra comment ça se passe, parce que Kim vient cet après-midi. Elle a rendez-vous au médecin. Les deux petits sont remalades, mais en même temps avec ce temps là, on a un temps humide de caca, propice pour toutes les maladies qu'on peut avoir. Hop là. Hop. Je prends mon chargeur. Et ouais, donc du coup entre ça, le Covid, la grippe, enfin les rhumes, les bronchites, c'est une horreur en ce moment. Bon, allez, du coup oui, on verra. Et puis, on va profiter des loulous un petit peu aussi. Donc, on verra cet après-midi. S'il y a le temps de faire tout ce qu'il veut faire. Mais au pire, il finira demain. Allez, café. Et puis, on va y aller. Hein, on va aller finir ces 2-3 petits achats. Demain matin, j'ai rendez-vous à l'esthéticienne. Et Greg ira en même temps. Sûrement, le temps que j'y suis, il ira peut-être chercher aussi 2-3 trucs. Il pourra y aller tout seul. Il sait ce que je veux prendre. En fait, il va aller chercher une bouteille pour les hommes, quoi, en fait. Donc, il sait très bien choisir. Oh là là. Allez. Bon. On a encore un temps de caca aujourd'hui, hein. Il pleut encore. Franchement, je me demandais si je préférais pas le gel. Il faisait bien froid, mais au moins c'était. Enfin, le ciel était bleu, quoi, en fait. C'était quand même un petit peu plus gai. Là, il fait déjà noir alors que. Que c'est le matin. J'ai pas préparé le repas, je le ferai tout à l'heure parce que mon poulet, en fait hier j'ai demandé à Greg de sortir le poulet entier pour le coup, enfin il faut le couper, quoi, en fait, et là il a mis au frigo, et au frigo ben ça se dégivre mais vraiment lentement, et là il est impossible de le couper, il est encore bien gelé, donc du coup je le ferai tout à l'heure, mais c'est pas grave, comme je lui ai dit, je le ferai en position rapide, puissance forte, en 4 heures, même pas 3-4 heures, c'est cuit, quoi, en fait. Donc on le fera tout à l'heure. Allez, on finit son café, puis on va la frotter la pluie. Greg a mis son nouveau pull. Il est beau. Puis la matière, elle est douce, en fait. Hein? Ça fait. Il est bête. Quoi? J'ai rien dit. Tu dis il est bête. Ouais, c'est parce que je vois ton petit sourire à la. Hein? Quoi? Ouais, je te connais, hein. Je l'ai charrié, je lui ai dit que son pull était assorti à la couleur de ses cheveux. Non, ah ouais, ça m'a pris. Hein? Bientôt 45 ans, Greg. Hein, ouais. Chéri. Ça passe, hein. N'importe quoi. Hein. Bon, après les cheveux gris, Greg a toujours eu les cheveux gris. En fait, Greg a les cheveux noirs. Ouais. Donc du coup, je pense qu'on attrape vite des cheveux gris quand on a les cheveux noirs comme ça. Et déjà à 18 ans, il y avait déjà quelques gris, en fait. On m'a dit que je ressemble à Richard Gere. De loin. De loin. De dos. De dos, ouais. Ouais. Allez, on y va. On va aller finir ses achats. On est rentrés. On a fait notre petit tour et puis on a été à Casa. Et j'ai craqué sur une guirlande de sapin lumineuse. Elle est trop belle. J'ai acheté du papier cadeau aussi. Je vais vous montrer. En plus, elle est grande. Alors attendez, je l'installe et je vous montre. Voilà. Oh, t'es beau, chérie. Ah, en fait, c'est une guirlande en faux sapin, comme ça, avec des petits brillants dessus. Et il y a une guirlande LED dedans qui fonctionne avec des piles. Elle est jolie. Je pense qu'au milieu de ma table, ça fera joli. Et on a acheté du papier cadeau. Alors, à chaque fois, on reste dans les tons naturels. Donc, j'ai pris un gros rouleau comme ça parce que. Rien que le cadeau de Léo, il va nous demander beaucoup de papier cadeau. Et j'ai pris celui-là, il est à 3,49. C'est un aussi avec des... Il y en a un avec des petites étoiles. Et un avec comme des bonhommes de neige. Dessus. Vous voyez, joli.
les piles, franchement, elles rendent bien. Ça fait joli. Non. Ouais. Là, du coup, je vais préparer le repas pour... je vais peut-être enlever mes chaussures, je ne les ai pas encore enlevées. Le repas pour ce soir. Ce soir, c'est poulet à l'espagnol à la mijoteuse. Donc, je le fais tout de suite. Comme ça, je laisse mijoter jusqu'à ce soir, tranquillement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est du poulet qui cuit dans une sauce tomate avec des poivrons, du chorizo, des olives noires, poivrons jaunes, et du concassé de tomate et un peu de vin blanc. Voilà, c'est très très simple à faire, ça va très très vite. Et en même temps, moi, je suis en train de faire chauffer l'eau pour les pâtes de ce midi. Greg là est parti voir pour mettre de l'essence, il m'a dit, aller retirer du liquide parce qu'on aime bien faire les achats en liquide, et aller chercher son fils pour la dernière, et après c'est les vacances, on a une petite pause jusque pendant une semaine, une petite semaine, une semaine et demie, oui, une semaine et demie. Bon, allez, on va manger. Alors du coup, j'ai mon repas pour ce soir qui est prêt, je l'ai fait dans la mijoteuse, et puis on va manger des spaghettis avec des boulettes, la même chose qu'hier. J'ai changé du coup ma petite déco de table et j'ai juste mis un drapé. Alors j'ai Luna, je viens de la bouger trois fois et à chaque fois elle retourne sur la table. Hein? Miaou, tu me déranges là? Elle peut aller partout, mais non, à chaque fois c'est sur la table. Tout le temps. J'arrête pas de l'enlever tout le temps. Bah ouais, c'est ça, c'est parce qu'elle se met en hauteur. Mais bon. Donc oui, j'ai mis mon drapé. En fait, j'ai mis ma nappe. Enfin, c'est même pas une nappe, hein, c'est un plaid en forme de drapé, et j'ai mis ma petite guirlande. Ouais, peut-être que ça changera, mais voilà. Allez, on va manger parce que ensuite l'après-midi va passer vite. Il faut qu'on regarde avec Greg pour ce qu'il doit aller chercher. Kim qui a rendez-vous au médecin, il faut qu'il y en a un de nous deux qui va avec. Et puis on a la petite activité aussi. Je vais y aller. Je veux que tu me regardes. Allez, fini de manger. Je vais tenter une petite expérience. En fait, je voudrais faire un gâteau tout simple, vite fait, pour 4 heures quand les loulous viennent. Souvent, ils aiment bien manger un petit truc quand ils viennent chez mamie. Mamie gâteau, hein. On va essayer d'entretenir le truc. J'avais envie de tester. Alors je sais pas le résultat que ça va être parce que c'est la première fois. Mais je voulais faire un 4 quarts. En fait, je voulais faire un 4 quarts, mais je sais pas si je vais avoir assez de beurre pour faire mon 4 quarts. Donc du coup, je vais tenter. Il me reste un pot de mascarpone dans le frigo. Je vais tenter la recette du 4 quarts. Mais au lieu de mettre un quart de beurre, je vais mettre un quart de mascarpone. On verra ce que ça donne. Donc je vais commencer par peser mes œufs. Alors, 4 quarts, je suppose que vous connaissez tous, hein, c'est le cake gâteau dégoûté, hein. Et en fait, ben, c'est 4 fois, logiquement dans le vrai 4 quarts, il n'y a pas de levure. En fait, on bat bien les jaunes avec le sucre et le blanc pour que ça soit bien, ensuite on ajoute le beurre fondu, mais les jaunes doivent, enfin les œufs et le sucre doivent être montés mousseux, et c'est ça qui fait que, et après on incorpore tout délicatement. Le plus sécuritaire, c'est quand même de rajouter un tout petit peu de levure, comme ça on est sûr que notre cake gonfle bien, quoi, en fait. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire, surtout que comme je vais un petit peu changer la recette. Voilà, on va prendre un peu de sûreté. Donc, je vais compter les œufs. Alors, logiquement, c'est 4 œufs. Vous pesez d'abord vos œufs. Alors, on pèse 4 œufs. Ça fait 238 grammes. Donc on va ajouter 238 grammes de sucre. On va fouetter pour qu'il soit bien moelleux. Ensuite on ajoutera 238 grammes de mascarpone. Et ensuite on rajoutera
on mélangera et ensuite on ajoute 238 g de farine. Voilà la recette du 4 quarts. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ajouterai un peu de levure dans ma farine. Je vais tenter un peu comme un gâteau zèbre. Ce que j'ai fait pour que ça soit un petit peu plus exceptionnel qu'un simple 4 quarts, j'ai divisé ma pâte en deux. Comme je vous ai dit, j'ai pas mis de beurre, hein, juste mis le mascarpone. Donc je vous ai dit ce que j'ai mis dedans. J'ai divisé ma recette en deux et là j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de cacao amer. Alors pour faire le gâteau zèbre, je pense que vous connaissez, hein, en fait on vient prendre une cuillère, on met une cuillère de pâte au centre du plat, on prend une deuxième cuillère et on met une cuillère de pâte au chocolat, pareil au centre du plat, et on fait ça ainsi de suite, mais toujours une cuillère, une cuillère, une cuillère, vous voyez, hop, au-dessus. Et en fait, à la force, ben, ça va s'étaler. Et ça va faire un gâteau avec, avec des couches. Un peu comme un zèbre, en fait. Hop, ça s'étale tout seul. Alors une fois que c'est fait, c'est ce qu'il y a de plus long dans la recette, on vient frapper légèrement comme ça et on enfourne le même temps de cuisson qu'un 4 quarts, donc à peu près à 180 degrés pendant à peu près 45 minutes, ça dépend des fours. Surveillez, pique avec un couteau au centre pour voir si c'est bien cuit. J'ai le gâteau qui est cuit, en tout cas il a bien gonflé, on verra, je vais le démouler, on va le laisser refroidir, on verra tout à l'heure. Je vous montre ce que ça donne du coup. La guirlande sur la table une fois allumée, je trouve ça chouette. Ça fait sympa, je pense, pour mettre, vous voyez, si pour un réveillon, ça prend pas trop de place. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce qu'on ne peut pas mettre de plat entre deux, mais ouais, il y en a un qui a trouvé sa place là, sous la table. C'est marrant, hein, ils aiment bien souvent être sous des trucs. Comme dans une niche en fait. Ben, j'ai des nouvelles de Greg. En fait, il a eu le temps d'aller chercher ses planches et puis il est revenu chercher Kimberly. Et en fait, il est l'heure tout de suite d'aller chez le médecin. Donc, il est parti avec elle, avec les loulous. Il faut tout le temps être au moins deux. Et là, Quentin travaillait cet après-midi, donc il pouvait pas être là. Donc, elle nous avait demandé qu'il y en a un ou deux qui aillent avec, quoi, en fait. Parce que, comme les deux, enfin, tant qu'il y en a le médecin, enfin, qu'elle s'occupe de Noé, de le rhabiller et tout, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de Léo. Parce qu'autrement, lui, il va fouiller partout, il va foutre le bordel dans le cabinet. Et inversement, avec Noé, quoi, en fait, tant qu'elle s'occupe de Léo, il suffit que Noé se met à hurler ou quoi. C'est pas évident, hein, quand on a deux petits loups comme ça en bas âge. Quand on doit aller tout seul au médecin ou quoi, quand elle va avec que pour un, souvent elle nous en dépose un quand Quentin n'est pas là, mais autrement, ouais. Donc j'espère qu'ils auront pas de la kiné à faire en ce moment, c'est l'hécatombe, hein, les maladies, c'est horrible, hein, on est tous malades, et enfin, entre les rhumes, les gastro, enfin les gastro on n'a pas trop entendu parler, mais les rhumes, les bronchites, les broncholites, le Covid, la grippe aussi, je pense qu'on va être beaucoup à passer Noël un petit peu malade, hein. Mais bon, ouais, comme je dis, j'espère qu'il reprendra pas de, qu'il refera pas de la kiné. Bon, après, s'il y en a besoin, il y en a besoin, hein, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un peu casse-pied pendant les fêtes comme ça, parce que quand c'est comme ça, ils y vont, que ça soit le dimanche ou ben voilà, surtout au début. Mais bon, on est quel jour aujourd'hui, mercredi. Oui, peut-être que d'ici là, ça ira déjà mieux. Et oui, j'avais entendu dire qu'il y avait des pénuries de doliprane pour enfants et tout. Et la dernière fois, quand j'en parlais avec Greg, il me disait, bah, en Belgique aussi, il y a des pénuries comme ça. Mais c'est grave, tellement qu'on a une malade qu'on attrape des pénuries comme ça de doliprane. Puis quand ils sont petits comme ça, on ne peut pas leur donner trop autre chose que le doliprane. Moi, je me souviens, quand ils étaient petits, on pouvait donner de l'Advil. Et on pouvait, du coup, alterner entre Advil et doliprane. Donc, tous les... je me souviens plus, mais je pense que c'est tous les 3 heures. Mais je pense que maintenant, le Advil, il conseille plus aux enfants. En fait, il y a eu des conséquences, quoi. Bon, moi, ça a rien fait. Ils ont rien eu, mais ouais.
Donc ouais, à part le Doliprane, je vois pas trop ce qu'on peut leur donner quand ils ont de la fièvre ou quoi. Et justement, la dernière fois, je me demandais avec Greg, parce que Noé avait une grosse rage de dents et il arrêtait pas de pleurer. Et je lui disais, bah, donne-lui du Doliprane. Mais elle me dit, bah, j'en ai donné il y a 4 heures, je peux pas lui en donner avant dans 2 heures, quoi, en fait. Et je lui dis, bah, tu peux rien donner à part. Et elle me dit, bah, non, je pense que j'ai que le Doliprane, en fait, que je peux donner. Donc, je sais pas s'il y a des antibiotiques, enfin des antidouleurs comme ça qu'on peut donner en plus du Doliprane. Dites-moi, vous qui êtes peut-être des bébés aussi et que... Mais ouais, du coup, bah, elle a dû attendre les 2 heures, quoi, en fait, essayer de le calmer avec du Dolo aux dents et tout. Mais c'est vrai que quand c'est une douleur, ouais, et quand ils font de la fièvre, il y a des moments, au bout de 6 heures, la fièvre est relâ, quoi, en fait, hein, quand ils font des dents comme ça. Déjà nous, il y a des moments quand on a des rages de dents ou qu'on fait de la fièvre, quand on a une angine ou quoi, on prend tous les 3 heures en alternant les molécules. Donc je pensais que pour bébé on pouvait le faire aussi, mais elle, voilà. Bref, après c'est sûr que les cacher comme ça c'est pas trop bon, hein, mais pour les soulager de temps en temps quand ils font de la fièvre, parce que faire de la forte fièvre c'est pas non plus très bon non plus, hein. C'est ouais. Bref, allez, on va attendre ces loulous et on va attendre que le gâteau refroidisse pour le couper, pour voir l'intérieur, voir si ça marchait. Et voir la texture surtout. Voir si. Mais bon, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, hein, parce que bah, le beurre c'est de la matière grasse, je l'ai remplacé par une matière grasse. Le mascarpone c'est quand même une crème qui est vachement grasse. Donc voilà. C'est un petit peu. C'est moins gras que le beurre, hein, c'est sûr, mais mon avis. Il a gonflé donc. Mais c'est qui arrive? Un bébé Brio, mamie. Un bébé Brio? Il a fait une crise. Ah, il aime pas le médecin. Voilà. Il aime pas les étrangers en général. Coucou, mon amour. Oh, 2 bébés? Alors que un Brio? Ouais. Et l'autre, il a pas pleuré? Non. Non? T'as mis tes baskets? Waouh, t'es beau. Qu'est-ce que... Ah oh mais il a pas arrêté. En fait, Alexa, il dit Alexa et il va vers elle et il dit Alexa. Alors il sait pas dire la suite. Mais il dit Alexa. Il veut mettre la musique. Mais musique. Léo, là. Tu dis Alexa musique. Coucou mon amour. Coucou mon amour! Ah bah ça va, t'as le sourire toi! Alexa, mets la musique! Allez, dis Alexa, mets la musique! Allez, dis Alexa, mets la musique! Mais, dis-lui! Dis Alexa, mets la musique! Alexa? 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 Pas du tout. Alexa, mets la musique. Cheer.
maison a retrouvé son calme. Les loulous sont partis. On a fait l'activité du jour tous ensemble. Du coup, c'était cool. C'était biscuits décorés. Donc, alors, ils sont repartis avec leurs biscuits qu'ils ont décorés. J'ai gardé celui de Greg, celui de Stacy et le mien. Alors, c'est pas les plus beaux biscuits du monde. Mais voilà. Hein. Celui de Stacy, il est joli. Ça, c'est le mien. Ça, c'est Greg. Noé, Noé, lui, on a essayé, mais voilà, ça ne l'intéressait plus. Pas trop, quoi. En fait, il essayait à chaque fois de le manger. Et Léo, par contre, il faisait trop rire parce qu'il s'investissait dans son truc, quoi, en fait. Voilà. Et du coup, ils sont repartis avec. Comme j'ai dit, tu pourras les faire montrer à leur papa qui travaille courageusement. Je vais travailler un petit peu. Alors Greg a été chercher ses planches, mais du coup il a pas fait son truc aujourd'hui. En fait, avec les petits à la maison, il s'est dit je vais sortir ma scie sauteuse et tout. Ma scie circule. Enfin bref, il va même sortir ses outils et tout. Déjà, c'est pas sécuritaire avec les loulous. Il pleuvait dehors, donc il pouvait pas le faire dehors. Et puis il s'est dit ils vont avoir peur, ils vont pleurer. Donc c'est pas grave, il fera ça demain. Les deux petits, alors Noé c'est un gros rhume qu'il a, une petite rhino quoi en fait, et Léo par contre ça commence à tomber sur ses bronches, donc comme il est asthmatique et qu'il fait voilà, elle a préféré lui donner quelques séances de kiné pour être sûre que voilà, tout se passe bien et que tout va dans le bon sens. Bon allez, ce que je vais faire moi là maintenant, c'est que je vais travailler un petit peu, je vais aller répondre à vos commentaires, depuis qu'ils sont en vacances, j'ai du mal à tenir... le rythme, c'est en fait quand on travaille à la maison et que les enfants et chez Greg est à la maison, je pense qu'ils se disent elle est en vacances quoi en fait, mais non, moi je continue à bosser et du coup faut que j'arrive à trouver du temps pour eux et en même temps du temps pour le travail et voilà, c'est pas très simple. Mais bon, donc là je vais aller répondre à vos coms et puis faut que je commence à monter la vidéo pour ce soir parce que demain matin je vais pas avoir le temps de le faire quoi en fait, donc faut que ça soit fait ce soir. Bon, on va manger, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne le poulet. Voilà, poulet à l'espagnol avec les rondelles de chorizo, tomates, les petites olives. J'ai fait ça avec du riz du coup pour ce soir. Là, on est en train de regarder un film. Ça fait X temps que je demande à Greg de me le mettre. Et il ne me l'avait pas encore mis parce que c'est un film d'amour. Donc, c'est moins fun que les films de... Hein? De guerre. Tu peux me filer le titre, chérie? Mais je pense que vous l'avez déjà dû le voir. Hein, parce que c'est sur Netflix. Et... enfin, voilà. Non. C'est Nos cœurs meurtris. Voilà. Donc, on va regarder ça ce soir. Bon, allez. Toi, tu vas faire quoi après? Ah, tu vas aller promener ton chien. Ah oui, parce que tu veux pas regarder la suite. Oui, c'est vrai, t'aimes bien. Bah oui, non mais c'est vrai, t'as un grand... T'as un petit cœur tendre en fait au fond. Du moins qu'il y a du cul dedans en fait. Bon allez, on va manger, moi je vais vous faire des bisous. Puis ben je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.